Salut Océane 29. Tu es la première sur live. Salut, salut Miss Vae Vea. Yo moustache et soleil. Salut Mofi, Mofico. Salut Zim Zim. On va démarrer le live, hein. Comme d'hab, les questions habituelles. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez bien ma voix? Salut Yanim. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que la musique et le volume est bon? Si tout est bon, alors on va commencer. Je vais baisser un peu la musique de mon côté parce que je trouve que c'est fort. Mais ça devrait baisser que pour moi, pas pour vous. Hop. Oui, parfait. Bon, bah c'est parti, hein. Est-ce que vous voulez que je mette la musique ou est-ce que vous voulez que je mette un son genre d'orage, un truc comme ça? Je ne sais jamais ce qui est le mieux pour le live. Donc là, on va faire le croquis du troisième dessin qui sera ici. Salut Fétigeux. Pourquoi un truc d'horreur? Alors c'est une commande que quelqu'un m'a fait. C'est pas moi qui décide ce qu'il y a comme dessin. Alors c'est quelqu'un qui m'a commandé un dessin. Et en tout, il y aura 9 dessins tous sur le thème de l'horreur. Donc ça, c'est les deux premiers. Et donc il n'y aura que des dessins sur le thème de l'horreur. Et bref, voilà, c'était la personne qui m'a commandé ce dessin qui voulait. Ce dessin-là. Donc, moi, j'exécute la commande. Et d'ailleurs, pour ceux qui peut-être aimeraient me commander un dessin, vous pouvez le faire via mes réseaux sociaux, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Vous me contactez, vous me dites ce que vous aimeriez comme dessin. On discute du prix, et si le prix vous convient, bah, je vous ferai votre dessin. Et donc là, je suis en train de faire le croquis du loup-garou qui est ici. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et bah, mon de côté, je vais dessiner. Et si je veux des questions intéressantes, enfin, je regarde, j'ai les yeux sur le chat en même temps, j'essaierai de vous répondre dès que je peux. Donc là, j'ai fait un premier croquis pour avoir un peu mes repères. Et là, du coup, je vais appuyer un peu plus fort pour améliorer le croquis. Donc là, c'est un loup-garou qu'on va faire. Et du coup, on est en train de faire les dents. Il va avoir des dents assez grandes. Vous avez vu, hier, j'ai fait un live. J'ai dit que le lendemain, je referai un live. Et je suis en train de le faire le live. J'ai tenu promesse. J'ai tenu ma parole de hier. Et d'ailleurs, salut Neyli. Tu dessines vraiment trop bien. Merci à toi, Fétige. Salut Sasori. D'ailleurs, j'ai même fait un live TikTok ce matin. Je sais pas s'il y avait des gens dessus. C'était assez cool. C'était un live de 40 minutes. Et maintenant, j'ai réussi à activer sur TikTok le fait de pouvoir faire des lives avec ma webcam. Parce que sur TikTok, jusqu'à maintenant, je pouvais faire des lives qu'avec mon téléphone. Mais là, ça y est, j'ai activé l'option webcam. Salut, je te suis depuis les débuts de ta chaîne quasiment et tu as énormément évolué, respect à toi. Merci Jojo, ça fait plaisir. Quand tu dis que j'ai évolué, je pense qu'il faut qu'on détermine ce que ça veut dire parce que perso, je trouve pas que j'ai évolué tant que ça, tu vois. Genre quand on regarde ma chaîne au début et ce que je fais maintenant, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça. Et je pense que c'est un des problèmes justement de ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution, ce qui a fait que ça a stagné. Et que ça a même ralenti le rythme de progression de ma chaîne. C'est quoi ta tablette graphique? Actuellement, j'utilise deux tablettes graphiques. Une comme écran secondaire, qui est une Ouyon Combass, et celle pour dessiner. J'aime beaucoup dessiner sur Procreate avec l'iPad. Vas-tu faire vidéo dessin des abonnés? Ou peut-être, mais avec un thème. Genre, je vous donnerai un thème, il faudra respecter le thème.
Mais faire une vidéo des abonnés où je balance juste des dessins random comme ça, je pense pas que ce soit intéressant pour les gens et même pour vous. Alors que si je vous donne un thème, que vous allez devoir respecter ce thème, faire un dessin en rapport et peut-être même, je sais pas, vous offrir un cadeau pour les personnes qui auront le mieux respecté le thème, bah, je trouve ça beaucoup plus cool. Donc il se peut que je fasse plutôt ça. Donc restez aux aguets. Voilà. C'était le petit trailer. Si en vrai, de quoi, qu'est-ce que, si en vrai quoi, si en vrai que j'ai évolué. Après, vous parlez de l'évolution de ma chaîne YouTube, Salut Zapongs, ou l'évolution de, ou l'évolution de mon talent artistique. Je sais pas, parce que c'est vrai que je me suis amélioré en dessin, on va dire. Maintenant, genre. J'ai moins peur de dessiner, de colorier, etc. Et ma chaîne YouTube, limite, je trouvais qu'elle était mieux avant parce que j'étais très actif dessus et il y avait énormément de concepts qui sortaient tout le temps. Alors que là, c'est beaucoup moins le cas. Mais comme je vous l'ai dit, je vais déménager bientôt, donc tout ça va redevenir comme avant. Là, on va faire le nez, enfin le museau. Là, j'utilise une technique que j'avais montrée en vidéo. En gros, l'idée, c'est de faire un premier croquis que vous allez prendre en photo, puis vous venez le comparer avec la ref et vous corrigez votre croquis de base. Je parlais en dessin pour ma part. Ah, ok, Jojo. Bah écoute, ouais, là, tu as raison. Je pense que tu as raison. Oula, j'ai bugué. Tu as totalement raison. J'ai évolué en dessin. Maintenant, j'ai. En fait, je trouve surtout dans la colo. Avant, je faisais attention, en fait, à chaque petit détail et ça me freinait, je trouve. Alors que maintenant, genre quand on regarde par exemple ces deux dessins ici, je suis vraiment allé comme ça sur la colo. Au final, le rendu est très bon. On a exactement ce qu'on devrait avoir, mais avec un petit côté un peu plus original parce que j'ai pris une liberté pour ma part que je ne me permettais pas de prendre avant. Donc, ouais, tu as raison là-dessus. J'ai évolué sur la colo et franchement, je suis content. Mais au final, c'est juste le temps et la maturité qui a fait que j'ai évolué. C'est pas forcément. Genre, j'ai pas appris un cours en particulier. C'est juste, voilà, à force de dessiner, j'ai compris que les couleurs, c'était important et que, par contre, ce n'était pas forcément important de les placer exactement au millimètre près, mais que c'était plutôt un espèce d'effet qu'il fallait respecter. Et donc une fois que j'avais compris ça, bah maintenant je colorie beaucoup plus vite. Tout cas, je voulais remercier aux 12 personnes qui ont liké le live. C'est vraiment cool les amis. C'est grâce à vos lives, à vos likes que le live il est mis en avant. Donc un grand merci à vous. Par exemple, là, l'œil il va être ici. Ensuite, l'autre œil, on va le placer également. Donc ouais, je disais que bientôt je vais déménager et du coup, une fois que j'aurai mon nouvel endroit pour travailler, je vais vous bombarder de vidéos et de live et de concepts et de concours. Ça va être comme avant avec un meilleur niveau en dessin. C'est ça qui va être cool. Et écoutez, bah, on va kiffer le dessin encore. Hein. En gros, pour vous donner un peu l'idée, genre je vais faire une vidéo YouTube. De cette vidéo, je vais en sortir un TikTok et une photo pour poster sur Instagram. Parce que là, quand vous voyez par exemple, genre je fais une vidéo, mais il n'y a rien qui suit. C'est-à-dire que je fais la vidéo et c'est fini. Alors que je pense que c'est pas la meilleure stratégie. Je pense que je devrais justement capitaliser sur la vidéo et essayer de profiter de la vidéo le plus possible. Et donc, ouais, je ferai en sorte de faire un beau dessin. Comme ça, on a une belle vidéo avec un bon contenu. Que je vais continuer de monter pour en sortir un TikTok que je posterai parce que TikTok c'est un peu la plateforme sur laquelle il faut être en ce moment. Mais du coup, je prendrai aussi une photo de mon dessin que je posterai sur Instagram parce qu'Instagram, bah, mine de rien, je l'utilise pas souvent alors que j'ai quand même 14 000 abonnés dessus. Après, tu peux faire Levi s'il te plaît. Ouais, c'est possible.
J'ai pensé à un truc, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et un avis sincère pour que, bah, que je sache si c'est bien ou pas. Hein. Mais vous voyez, souvent, il y a des gens, bah, comme là, on me demande de faire Levi, et ça ne me dérange pas de le faire. Mais en fait, j'avais eu l'idée de faire un live où vous me dites de dessiner un truc, et moi, je le fais. Et genre, ça va être juste ça, genre j'ai juste un papier et vous me dites fais ça, et moi je dessine. Est-ce que vous trouverez ça drôle ou pas? Je suis Abo. Merci de t'être abonné, Stretos. Tu gères. D'ailleurs, écrivez en commentaire. Si tu veux pas, tu ne fais pas. Non, mais t'inquiète, je ferai. En vrai, ça serait grave bien et divertissant. Bah, en fait, dites-moi, qu'est-ce qui vous divertirait? Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire là comme phrase, mais dites-moi. Vous savez quoi? Écrivez là tout de suite en commentaire de ce live des concepts de live que vous aimeriez voir en dessin. Et je vais le faire. Ça va être aussi bête que ça. Hein. Je suis là pour vous et pour vous, pour qu'on vive ensemble. Donc, écrivez. Je sais pas, n'importe quelle idée que vous avez. Hein. Écrivez ça en commentaire, moi je lis, et ça se trouve là il y a un truc que je vais aimer, et ça se trouve on va le faire dès maintenant. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées de choses divertissantes qu'on pourrait faire en live, et ben on va le faire. Hein. Mon but étant de trouver un peu ce qui vous plaira et qui me plaira pour que on passe du bon temps ensemble parce que je conçois que c'est cool que vous me regardiez dessiner, mais je pense que c'est encore plus cool que de jouer ensemble. Je trouve pas les coms. Enfin, pas les coms, mais en chat, quoi. Écrivant en chat. Ça va, tu dessines trop bien. Merci, Omar Sy. Tu es un cousin à Omar Sy? Aucun rapport. Je dessine les pseudo YouTube. Je dessine les pseudo YouTube. C'est-à-dire, genre, toi, tu t'appelles Stretos. Faut que je dessine Stretos. Je pense que ça pourrait être sympa, un concept où tu dessines une proposition du chat et en complète en proposant les éléments en plus ou des modifications. Vous voulez qu'on fasse ça? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, les amis? Vous savez quoi? Là, on est ensemble. Il y a 21 personnes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la proposition de Zapongs? Lisez-la et dites-moi si vous voulez qu'on fasse. Il y a Stretos qui propose ouais. Et est-ce que vous voulez qu'on le fasse sur papier ou sur iPad? Parce que j'ai une tablette graphique sur laquelle on peut dessiner également. Pourquoi pas faire comme tu as dit, mais tu mélanges les dessins, par exemple, quelqu'un te dit Goku et quelqu'un d'autre dit Mikasa, tu mélanges les papiers. Nestro, oui. Papier. Il y a deux papiers contre un iPad pour l'instant. Bah, c'est quoi? Vas-y, on fait ça. Je vais faire votre concept. C'est-à-dire que. Alors, c'est quoi? C'est. Je dessine une proposition du chat. Et après, on complète en proposant des éléments ou des modifications. Ben, on va faire ça. On va faire ça. Alors, je pourrais le faire sur papier. Le problème avec le papier, c'est que si, par exemple, je fais un truc et quelqu'un propose une bête de modification, ben, je ne peux pas modifier parce que il faudrait que je gomme. Mais si on l'a fait au feutre, c'est fini. Alors que l'iPad, on pourra modifier. Donc, je vais ramener mon iPad. Ça va me prendre littéralement 5 secondes. Ça, il est à côté. Je vais ramener mon iPad. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à l'iPad. Et une fois que nous avons un résultat qui nous plaît, le dessiner sur papier. Donc, on ferait salut, Wiss. Donc, on peut commencer avec l'iPad. Et une fois qu'on a quelque chose de joli, on le met sur papier. OK? Donc, je ramène l'iPad. Bougez pas.
Ça va être marrant ce concept. Je sais pas du tout où ça va finir, mais ça va être très drôle, je pense. Et franchement, ça peut être. Si ça fait un dessin stylé. Donc, goodbye, le Levi, non, t'inquiète. Je garde en tête le Levi, t'inquiète pas. Massis, pourquoi t'as arrêté les tutos? Très simple, parce que je trouvais que c'était toujours la même chose. Et pour un créateur, c'est un peu chiant de faire tout le temps la même chose. Et je trouvais que ça aidait pas forcément à apprendre le dessin. Mais je peux trouver un concept avec les tutos pour faire un truc un peu plus sympa. Idée de départ, Baby Groot en version arbre de Sakura qui mange. Au chat de compléter qui mange grand route. Alors, attendez, attendez. Je pense que l'idée de base, c'est l'idée la plus importante. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous proposez tous une idée de base, ou alors ça se trouve, l'idée de Zapongs, elle vous plaît, et donc vous dites la même chose que Zapongs. Mais là, on doit d'abord trouver une idée de base pour commencer. Désolé, j'avais pas mis mon micro près de ma bouche. Vous m'avez entendu ou pas? Qui mange Stanley, pour me donner ton avis. Oui. Du coup, ouais, donc l'idée de base, on fait quoi les amis? Idée de base, Baby Groot en version arbre de Sakura qui mange avec. Oui, on t'a entendu. Ok. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça comme idée de base ou vous avez autre chose comme idée de base? Qu'est-ce que tu dessines à droite? À droite? Ah là, c'est un loup-garou. là, en gros. Attends, je vais mettre le OBS. En gros, là, il y a l'œil. Là, il y a l'autre œil. Ici, il y aura les dents comme ça. C'est un espèce de loup-garou. En fait, c'est des personnages d'horreur. Non, l'autre, c'est cool. Mort de rire, je sens que ça va partir en cacahuète. Mais oui, on t'a entendu. C'est pas grave, ça sera de l'art. Donc on garde les idées de base. En vrai, comme on le dit, c'est à base du dessin, donc vaut mieux bien réfléchir. Après, ça va être marrant, hein. C'est pas grave si c'est marrant. Vous savez quoi? On peut commencer comme ça. Donc Baby Groot. Vous savez quoi? On va commencer comme ça, et de toute façon, vous allez rajouter des choses, et ça va changer petit à petit, ok? Donc c'est juste, je relis, Baby Groot en version arbre de Sakura. Déjà, il faut que je check, c'est quoi arbre de Sakura? C'est les arbres avec les cerisiers? Arbre de... Ça, du coup, j'ai utilisé pas mal de. Ok, donc ouais, c'est les arbres de Sakura. Ok, donc ça ressemble à ça, arbre de Sakura. Donc c'est des cerisiers du Japon en fait. Et Baby Groot, il ressemble à quoi déjà? Parce que je sais dessiner Groot, mais Baby Groot, il est. Ok, il est en plus petit, mais du coup, il n'a pas de feuilles sur lui.
Comment on peut changer Baby Groot en arbre de Sakura? Si, on pourrait lui mettre des cerisiers, des fleurs de cerisier sur OK. OK. Et donc, alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, on va faire ça, hein, Baby Groot en arbre de Sakura. En vrai, comme on dit, c'est banana. Oui, c'est vrai, oui, c'est avec les fleurs roses. Bon, bah, c'est parti. Alors, pour. Alors, question, est-ce que vous voyez l'iPad là? Voyez-vous bien l'iPad? Je laisse ce dessin ici pour que les gens qui viennent. Parce que là, vu qu'on va commencer, il n'y a rien sur notre canvas. Si les gens ils viennent, ils vont voir qu'il n'y a rien et ils vont partir. Donc, on leur laisse ça ici. Comme ça, ils voient que. Ce que je peux faire comme dessin, et comme ça ils disent, ah, peut-être qu'est-ce qu'il est en train de faire là en bas, ça va être bien également. Alors déjà, écrivez-moi dans quelle pose doit être assis ou dans quelle pose se tient Baby Groot. Parce qu'il faut qu'on commence par une pose. Déjà, ce que on va faire premièrement, c'est on va changer la couleur de notre toile. On va mettre une couleur plus foncée. Pourquoi? Parce que si jamais à un moment on doit faire du blanc, ben, on va pouvoir venir dessiner avec du blanc. Il est dans un pot. Ok, donc on commence par faire un pot. Donc pour le pot, on va dire que c'est un pot orange. Hop, donc on fait un pot orange comme ça. On va essayer de le faire bien. Et de toute façon, on va modifier petit à petit, ok? Hop, on vient mettre. Moi, en fait, dès que je vais lire une idée, après, je vais faire le dessin et après, je vais relire le chat pour revoir les autres idées. On vient dessiner ici, hop, les trucs comme ça. Le pot, on va le faire un peu dans un rouge, genre céramique un peu. Hop. Donc là, on va dire que ça, c'est le pot comme ça. Et donc, il y a Baby Groot dans le pot. Donc, on va venir prendre une couleur un peu du style, genre arbre, comme ceci. Et donc, imaginons que Baby Groot, il est genre là-dedans. Il va avoir sa tête comme ça. On va dire un bras là, un bras là. Ok, donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, je viens de continuer de lire. Il est dans un pot, assis avec les jambes écartées, à l'envers dans un pot. Baby Groot est dans un pot. C'est quoi le concept? Benjamin Legrand, le concept, c'est que vous me donnez des idées et moi je réalise vos idées, ok? Donc là, ça part sur Baby Groot en arbre de cerisier dans un pot. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. D'ailleurs, attendez, où est-ce que je pourrais écrire quelque part? Non, genre je pourrais écrire par exemple ici. Ce qu'on est en train de faire. Bébé Groot dans un pot. Ensuite, c'était quoi son pot est déguisé en paquette de pop-corn. Il est déguisé, ça veut dire que on doit voir qu'il y a un pot et qu'il y a un paquet de pop-corn, ou alors. Le pot est un paquet de pop-corn. Avec plusieurs yeux pour le bébé. Alors, quel bébé? Il y a un bébé? J'ai raté quelque chose? Il y a un bébé quelque part? Il mange un poisson avec Gollum dans le déguisement de Superman. Alors, il y a Gollum. Alors, attendez. Gollum. Alors, attendez. Gollum, Superman. Et vous êtes parti loin. Attendez, attendez. alors, ce qu'on peut faire, genre, on peut imaginer Gollum ici. On peut imaginer, genre, Gollum comme ça. Genre, Gollum ici, qui lui tend un poisson. Là, Gollum, il est en train de mordre un poisson ici. Le poisson, on va mettre en blanc comme ça. On va voir que c'est un poisson. Et du coup, on revient sur la couleur ici. Gollum, il est genre accroupi avec les pieds comme ça. Ici, il y a une flaque d'eau dans laquelle il y avait peut-être le poisson. Sauf que Gollum, en fait, il a un déguisement de Superman. Donc, il a une cape rouge. Hop. Donc, il y a Gollum qui est en train de manger un poisson et qui tend du coup un poisson. Donc, on va faire la même couleur ici, un poisson à Groot. Groot qui lui est en fleur de cerisier, donc c'est un peu du rose. Le rose c'est ici à peu près, donc sur lui comme ça. Après on va rendre ça en réaliste, hein, donc vous inquiétez pas. Pour quand on voit que c'est Baby Groot, on va lui faire. Je sais plus, bon, de toute façon on va faire en réalisme plus tard. Là on prend un peu vos idées, ok? Il y a quoi d'autre comme idée?
Avec plusieurs yeux pour le bébé, paquet, il mange un poisson, ça on a déjà lu. Le pot est un paquet de pop-corn. C'est quoi la plume que tu utilises le plus sur Procreate? C'est celle-ci que je suis en train d'utiliser actuellement qui s'appelle Syrup. 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 C'est dans. Je crois que c'est dans Encre. C'est Nymphe. Plusieurs yeux pour le bébé Groot. Ok, mais si on lui fait plusieurs yeux, on va pas le reconnaître. Mais attendez, donc déjà, pot de pop-corn pour le pot. Un pot de pop-corn, c'est comment déjà? Je vais regarder sur internet parce que. Pot de pop-corn. Comme ça. Ok, donc les pop-corn en général, c'est rouge et blanc apparemment. Du coup, on va prendre une couleur blanche ici et on va venir faire tout en blanc. C'est n'importe quoi, c'est vrai, mais ça va être marrant. On va essayer de faire un truc stylé. Et avec des bandes, en fait, rouges comme ça. De ce que je vois, et c'est un peu carré, genre tac, tac, tac. Et c'est vous qui avez voulu ce concept, hein. Donc si c'est n'importe quoi, vous assumez. Hop, on va venir faire un peu la terre. Pour la terre, on va prendre un peu une espèce de marron foncé. Donc est-ce qu'on met de la terre ou on met des pop-corn du coup? Alors, ça dit quoi dans les commentaires ensuite? Salut Snox, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est quoi les plumes que tu... Donc ça, j'ai déjà répondu. Son côté gauche, il a un équipement tridimensionnel des couleurs de Superman. Qui est-ce qui a l'équipement tridimensionnel? Le Gollum ou Baby Groot? Des pop-corn salés. Le pot doit être salé ou sucré? Moi, je préfère pop-corn salé, franchement. Pour moi, on mange salé, les pop-corn. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent des pop-corn. Ah, c'est les pop-corn qui ont un équipement tridimensionnel. Groot. Ah, ok, donc c'est Groot qui a un équipement tridimensionnel. Ok, donc l'équipement tridimensionnel, il se caractérise par une partie, on va faire ça en métal, donc c'est du gris. Une partie comme ça. Avec une épée. Hop. Hop, hop. Et il doit avoir la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Mais bon, tout ce qu'il réalise, on viendra le faire à la fin, bien sûr. Là, c'est surtout pour fixer vos idées farfelues, bande de fous. Ok. Il y a quoi d'autre? Le pot doit être salé dans un sac d'alu. Non, à la place de la terre, il y a des pop-corn. Ok, du coup, à la place de la terre, des pop-corn. Donc ici, hop, il y aura plein de pop-corn comme ça. Sachez qu'à la fin, on aura un dessin réaliste. Hein. Je commence déjà à regretter ce concept. Je te suis depuis les tutos dessin Gogetech SSJ4. Merci pour toutes tes incroyables vidéos et tes tutos parfaitement réalisés. Merci vraiment. Bah, merci à toi de les avoir suivis. Vraiment, le but, c'était de vous donner un peu envie de dessiner et tout. Et je suis content que ça a marché. Et bah là, je deviens de plus en plus actif. Je vais reprendre tout ça, refaire des tutoriels, refaire plein de vidéos, plein de concepts. Et donc, si vous avez aimé l'ancien Massis, normalement, vous allez apprécier encore plus le nouveau. Puis, on peut ajouter un fond qui n'a rien à voir avec la scène. C'est vrai que c'est fou. Pour être en raccordement avec Gollum, tu ferais quoi en fond? Alors, Polo Draw, c'est à vous de décider. Hein. Moi, je ne suis que votre main. Vous êtes le cerveau, moi, je suis la main. Et franchement, là, il y a 31 personnes sur le live. Il n'y a que deux personnes qui participent là. Je veux que tout le monde participe. Donnez tous vos idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Iron Man qui veut manger les pop-corn. Ok, donc il y aurait hop, Iron Man qui. Bah, il est mort, Iron Man, mais on peut imaginer par exemple que Iron Man, comme ça là, il est en train de foncer en mode robot.
avec son jetpack ici, tac tac, avec ses mains pour venir prendre les popcorn, pourquoi pas. Lis mon idée plus haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Les épées de l'équipement tridimensionnel sont des brochettes de tomates mozza. Dans ces cas-là, il faudrait que pour cela, dans la main de Groot, parce qu'on imagine que là, il y a l'épée. On va dire qu'ici, il n'y a pas l'épée. Donc, on va vérifier ça. Parce qu'en fait, l'épée de son épée gauche, il l'a pris de son boîtier et il l'a dans la main. Et donc, c'est une brochette de tomate mozza. Et donc, tomate mozza, nous avons une mozza, une tomate, une tomate, une tomate, une mozza, une mozza. Donc, et bien sûr, il ne faut pas oublier surtout le fil, parce que tout est lié par des fils dans les équipements tridimensionnels. Il faut quand même respecter le côté réaliste, parce que quand même. Ok, alors la scène se passe dans une grotte. Alors, tout se passe dans une grotte. Alors, déjà, tout d'abord, je vais venir effacer en fait ce qu'on a écrit, parce qu'au final, on s'en fout de ce qu'on a écrit. Ça nous ferait de la place. La scène se passe dans une grotte, donc pour ça, on va venir diminuer en fait la scène comme ça. Et pour que ça se passe dans une grotte, il faut que en fait le fond il soit tout noir, genre. Donc le hop, on va faire un peu noir comme ça. Et en général, dans une grotte, il y a souvent genre, il y a souvent un feu. Donc on peut peut-être faire un espèce de feu ici. Et du coup, ce feu va venir créer par-dessus la scène un espèce de lueur. Hop. Et du coup, ici, ça sera foncé. On trouvera un sens après, à la fin. Là, je place vos idées. Donc, il y a un feu dans une grotte. Qu'est-ce que ça dit? Oublie pas l'huile et l'origan. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Où avais-je la tête? Donc, pour l'huile, on vient prendre. On repart sur le calque. Pour l'huile, on va me prendre comme ça un peu des gouttes d'huile comme ça qui dégouline. Et pour l'origan, ça va être en vert comme ceci. Pas de basilic. Hop, ensuite, qu'est-ce que ça dit d'autre? J'adore. Oh, Sangoku qui fait un Kamehameha sur le popcorn. Ok, alors il y aurait Sangoku qui serait, pourquoi pas, on va créer un calque parce que sinon on va pas tout faire sur le même calque. On va faire en orange ici parce que c'est Son Goku. Hop, il serait posé là. Il aurait genre une main comme ci, une main comme ça, en train de pousser. Ici, c'est un Kamehameha, donc ici il y aurait une boule d'énergie comme ça qui viendrait. Son Goku, il a les cheveux noirs. Il a un truc bleu au niveau de la ceinture ici. C'est, on va lui faire un peu ça, son visage couleur. Hop, 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 hop. On va le mettre en mode genou comme ça. Ok, donc ça, on a marqué l'idée de Sangoku qui fait un Kamehameha sur le popcorn. Après, on va trouver un espèce de parce que là, il y a pas de genre, ça a l'air bizarre comme emplacement, mais on va trouver une composition plus agréable une fois qu'on aura toutes les idées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Ouais, et qui se fait mettre de la kryptonite sous le nez par Batman, pauvre toi, tout ce qu'on te fait faire. Attendez, qui se fait mettre de la kryptonite par Batman sous le nez? Iron Man ou Gollum? Parce que kryptonite, ça fait mal que à Gollum, on est d'accord. Redis ton fétiche, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Un poster de Pulp Fiction sur un mur de la grotte. Ok, du coup, si je dis pas de bêtises, il est en jaune, non? Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est en jaune les posters de Pulp Fiction.
qu'on pourrait faire, du coup c'est un poster, donc on va faire un nouveau calque. On va faire genre ici, hop, comme ça plutôt. Et on va imaginer les deux personnages qui sont dans des costards, hop, en noir du coup comme ça. Je change de musique parce que là c'est encore une musique de Noël, je sais pas. Je vais chercher un autre playlist, attendez. On va mettre des musiques épiques. Tout sélectionné, c'est parti. Là, j'ai lancé des musiques épiques. Ça ira bien avec le thème de notre dessin que nous sommes en train de faire. Donc là, poster de Pulp Fiction sur le teco. Qu'est-ce que ça a dit d'autre comme dessin? Autour d'un feu de camp. Ils sont déjà autour du feu de camp. Mister Satan qui fait coucou derrière le popcorn. Donc, il doit y avoir Mister Satan. Donc, le calque, il sera en dessous, ici. Donc il passe comme ça sa tête et il fait coucou avec sa main comme ça. Et on va prendre une couleur un peu de peau pour... Ok. Donc ça c'est Mister Satan qui fait coucou derrière le popcorn. Et en fond, tu fais une grosse tête de titan qui vient tous les bouffer avec de la bave, etc. Ouais, mais du coup, s'ils sont dans une grotte, est-ce qu'il y aura de la place? Comment est-ce qu'on va faire ça? Parce que du coup, il faudrait que du coup, ça soit derrière là. Je suis pas sûr de cette idée, hein, mais de la faisabilité. En gros, il faudrait que genre ça soit là-dedans, genre là-dedans comme ça. La bouche, en tout cas, du titan. Un bail comme ça? Cette idée-là, on la met de côté pour l'instant. Parce qu'elle sera faite à la fin, je pense. Une fois qu'on aura déjà la scène. Donc on va juste la cacher. Mais on la garde quand même. Parce que l'idée, c'est de faire vos idées. Au fond de la grotte, il y a un Luffy qui croit que Groot est de la viande. Taz qui fait les poches de Gollum pour lui voler l'anneau. Au pire, si ça te dérange pas, tu peux essayer de faire Goku en SSJ1 pour qu'il élimine la grotte. Les idées pour l'arrière-plan. Gollum qui se fait mettre de la crypto par Batman. Ok, il est 23h21, c'est tard, non? Non, ça va, c'est pas trop tard, je trouve. À moins que vous vouliez dormir. Ok, du coup, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, il y a eu Batman qui met de la kryptonite. Il faut un calque, on va prendre ici. On va acheter un nouveau calque. Il faut Batman. Oh, Batman, je l'ai bien fait. Qui met de la kryptonite sous le nez de Gollum. Il y avait Goku, en fait Goku il était en Super Saiyan 1 et c'est parce que ça permet d'illuminer en fait le... Ça permet d'illuminer la salle. Enfin la grotte. Ok, il y avait quoi d'autre comme idée? Il y a Luffy qui croit que Groot c'est de la viande. Du coup, on peut imaginer un espèce de Luffy. Donc, nouveau calque. Luffy, on va le faire en noir comme ça. On peut imaginer que sa main, elle arrive pour choper la tête de Groot. Genre qu'il ait sa main posée comme ça là. En fait, c'est une main qui va hyper loin. Et du coup, Luffy, il est assis genre là-bas. Hop, comme ça, il est assis en tailleur. Et du coup, pour l'imaginer, on va lui faire le chapeau de paille. Avec son pantalon bleu. Son haut rouge. C'est pas rouge ça. Ça, c'est rouge. Et en fait, du coup, sa main, bah, il faut que ce soit une couleur un peu beige.
C'est compliqué votre imagination. Un Among. Ah, mais attendez, attendez. Est-ce qu'il y a une fin ou pas là? Parce que vous n'arrêtez pas. Un Among Us qui sort du pot de popcorn. Un Among Us qui sort du pot du popcorn. Parce qu'en soi, le dessin, il peut être à l'infini, mais est-ce qu'il faudrait pas l'arrêter au bout d'un moment? Okay, en fait, c'est quoi le concept? Est-ce qu'il y a un concept même? La mongreuse en quelle couleur la mongreuse en violet qui sort du popcorn, mais je sais même pas à quoi ça ressemble. J'ai jamais joué à Among Us. Est-ce qu'ils ont des yeux les Among Us? On va aller comme ça. Luffy est loin derrière au fond de la grotte. Iron Man est suspendu comme une marionnette. Et puis on est bon, là, il est déjà assez surchargé le dessin, là, non? Yes, t'as exactement dessiné ce que j'imaginais. Ou alors tu mets Luffy qui est en train de manger Groot, tu fais que sa tête. Bonjour, Gilory, David, bienvenue à toi dans ce life chaotique et ce dessin anarchique qui n'a aucun sens. Ou alors tu mets Luffy qui est en train de manger Groot. Je pense que là c'est bon, j'ai un peu plus, j'aimerais voir ce que ça donne. Le concept c'est déjà, je dessine jusqu'au bout de la nuit. Proposition, tu dis que tu fais tel nombre d'éléments et tu t'arrêtes. Et pour finir, la grotte est illuminée par plein de champignons néons. Ok, bah si vous voulez, déjà, je commence par rendre ce qu'on a actuellement réaliste, ok? Comme ça, une fois qu'on aura rendu ça réaliste, on peut voir si on rajoute des choses ou si on enlève des choses et si on fait des changements. Ok? Bien joué, Gilory. David, c'est ça, ouais. Et là, il y aura un loup-garou. Bon, du coup, là, je vais rendre réaliste ce que vous m'avez dit. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on commence par rendre réaliste? Écrivez en commentaire. Par quoi vous voulez que je commence à rendre le truc réaliste? En tout cas, je voulais remercier les 38 personnes qui ont liké la vidéo. C'est vraiment cool. C'est grâce à vos likes que le live qu'il gagne en visibilité. Donc ça me soutient énormément. Donc merci à toutes les personnes qui ont liké. Et ceux qui n'ont pas encore liké, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Alors, ça propose de commencer par Goku, Luffy, Groot, c'est la base, Groot, Popcorn et Groot, car tout est dirigé vers eux. Ok. On va commencer par la boîte. Alors, déjà, l'angle de vue, est-ce qu'on le garde comme ça? Moi, je vous dis qu'il y a un problème qui me gêne, c'est le fait que ce soit dans une grotte, parce que ça nous restreint dans un espace fermé, et du coup, c'est plus compliqué de trouver. Ou alors, vous savez quoi? C'est pas grave. Non, j'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va poser la caméra par terre. Ouais, on va poser la caméra par terre, et du coup, on aura un angle de vue. Du bas. Ok. Ah, vous voulez un angle de vue vers le haut? Attendez, attendez. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. L'angle de vue, donc quel... Là, on va prendre 1 minute pour réfléchir à quel angle de vue on devrait faire. Genre, est-ce que ça devrait être un angle de vue, genre, on voit vers du haut ou on voit du bas? Je réfléchis pour ça. Vous savez quoi? Et je garde l'idée de la grotte. Je vais garder exactement tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant. Là, je suis en train juste de réfléchir à l'angle de vue. Est-ce que dans quel angle je mets ça?
En fait, moi, j'avais pensé à faire un truc comme ça, regardez. Déjà, tout ça, on va les fusionner. Hop. On crée un nouveau calque. On cache ça. En gros, j'avais pensé. Attendez, mais pourquoi j'ai autant de lumière là? Je peux éteindre un peu. Déjà, ça, on va le foncer un peu. Donc, j'ai pensé à ce que. Genre. Donc là. Là, imaginez, ça c'est la grotte, ok? Là, il va y avoir la sortie de la grotte. Et donc, il faut imaginer un chemin. On va mettre plutôt là. Et donc, il faut imaginer un chemin comme ça. Ok? Là, c'est les murs de la grotte. Et en fait. Nous, on est genre ici, et du coup, le popcorn, en fait, il se verrait genre. Comme ça. Donc ici, on peut venir effacer. Donc, est-ce que vous arrivez à visualiser là? En gros, là-bas, c'est la sortie. Là-bas, donc tout au fond, là-bas, c'est la sortie. Donc, on va imaginer que du coup, vu que c'est la sortie, il doit y avoir un peu plus de lumière. On va baisser l'opacité. Ici, nous avons la boîte de pop-corn. D'ailleurs, on va la modifier légèrement. On va venir prendre le pinceau. Et donc là, il y aurait Groot, qu'on verrait justement genre de bas. Donc Groot, on pourra le faire. Donc là, c'est une proposition d'idée, ok? Ça sera peut-être pas ça la version finale. Je propose une idée. Donc là, il y aurait Groot comme ça ici, qu'on décidera de à quoi il ressemblera genre après. Et du coup, on pourra comme ça mettre le titan qui viendrait genre avec sa bouche. Genre, on pourrait du coup imaginer le titan genre en mode, bah, je sais pas, genre. Avec une bouche comme ça. Avec une bouche genre grande ouverte qui viendrait du fond de la grotte, ça respecterait ainsi ce que vous vouliez. On pourrait imaginer que genre ici, que bah, du coup le sol de la grotte est couvert par de l'eau. Alors, on va prendre un grand pinceau. Et que du coup, il y ait Gollum. Parce que Gollum, je crois, on l'a déjà vu dans des grottes, genre assis par terre et tout. Et du coup, là, il y aurait Gollum. Gollum, on va prendre un peu de beige. Et genre, il serait comme ça, genre, avec. Ça, c'est son dos. Là, genre, son pied, comme ça. En train de se regarder dans le miroir et, genre, attraper un poisson. Mais du coup, comment on le fait donner un poisson à.
à Groot. Ça, je sais pas. Mais du coup, on pourrait imaginer Batman. Batman qui descendrait de là-haut, du haut de la grotte. D'ailleurs, c'est marrant, parce que dans une grotte, Batman, on ne pourra pas le faire en noir. Genre, il y aurait Batman comme ça qui lui met la kryptonite sous le nez. Mais est-ce que vous arrivez à voir là la composition? Est-ce que la composition, vous arrivez à la voir ou pas? Je lis un peu vos messages là. Plus haut l'angle, non, un peu vers le haut l'angle de vue. Iron Man, oui, vers le bas, comme ça on a une vue d'ensemble, on peut voir la grandeur de la grotte et on peut avoir des détails. Point de vue du bas est cool, on verra Iron Man et son Goku mieux. En y réfléchissant, l'angle du bas serait stylé, en bas à gauche, let's go bas alors, et on verrait aussi les visages, tandis que vers le haut, on verrait pas les expressions du visage. Beau mec, oui, je dis ça, ton angle de vue. Ah ouais, stylé en vrai. Rebonjour, salut le Groot, on le voit pas assez. Après, il peut lancer le poisson. C'est comme ce que je passe les objets. Je vois bien Batman suspendu à l'envers dans la grotte. Perso, j'aime bien la vue que tu fais. Ok, donc là j'ai lu tous vos commentaires. Merci pour vos retours. L'angle de vue, c'est vrai qu'elle est cool. Groot, en fait, on le voit pas forcément, mais on va l'imaginer. Et on va essayer de tout imaginer, hein. De toute façon. Si j'ai choisi cet angle de vue basse, c'est pour que justement qu'on voit tout le monde en même temps et que j'arrive à représenter chaque personnage dans le dessin. C'est surtout pour ça. Et aussi pour qu'on comprenne que c'est une grotte en fait. Parce que je pense que c'est compliqué de dessiner une grotte. Alors qu'avec cet angle de vue, on peut tout imaginer. Et d'ailleurs, je me dis que, par exemple, au lieu de rajouter ici, vous avez la bouche comme ça d'un titan, on pourrait imaginer peut-être, genre. On pourrait imaginer que ici il y a un trou, donc c'est le trou de la grotte, et qu'il y a un œil en fait. Il y a l'œil d'un titan. Ça peut être fun. Genre on pourrait supprimer un peu ici. Et que genre on imagine que dehors bah, il y a le ciel. Donc pour le ciel, on va faire un dégradé de blanc. Hein. Et que du coup, il y a dedans, il y a un œil d'un titan. Donc pour l'œil, on va imaginer, par exemple, la peau comme ça du titan, avec, hop, 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 avec l'oreille comme ça. Et justement, il regarde comme ça. Parce que les titans, ils ont souvent des yeux bleus. Vous pensez quoi de cette proposition? Et avec un grand sourire comme ça là. Est-ce que ça fait grotte? Mais du coup, l'eau, en fait, deviendrait plus comme. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de sens parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'eau? J'avoue, l'eau n'est plus logique là. Qu'est-ce que ça dit? Gollum, il peut avoir une canne à pêche et en sortant le poisson de l'eau qui va sur Groot. Ok, bonne idée ça. Très bonne idée ça. Donc Gollum, ok, canne à pêche. Canne à pêche comme ça. Et il donne le poisson à Groot. Donc là, on a Gollum, hein, ici. On voit pas la peau. La couleur de la grotte devrait être marron, je pense, pour faire référence à la journée. Allez, on va mettre, du coup, la grotte en marron, ici.
Un peu comme ça. Et du coup, là, on vient faire le popcorn. Peut-être comme ça, on le termine une bonne fois pour toutes. Popcorn, c'est ici. Hop, on va prendre du blanc. Après, je rajouterai les ombres et les lumières et tout en plus tard. Hein. Là, c'est surtout pour avoir une composition. Parce que la composition, c'est la partie la plus importante, je pense. Avec une bonne compo, après, on peut faire un beau dessin. Hop, hop, hop. Et donc, vu qu'on a dit que c'était un paquet de popcorn, il fallait que ce soit genre en rouge et en blanc. On a dit qu'il devait y avoir des pop-corns dans la boîte, donc là on vient faire des pop-corns, genre comme ça. Hop, hop. On avait dit qu'il y avait un Among Us qui sortait. Alors l'Among Us, on pourrait limite le faire sortir carrément de la boîte. On l'avait mis en violet, donc on pourrait, je sais pas, genre imaginer un trou ici et un Among Us qui sort faire un coucou. Là, c'est des propositions que je fais, hein. Ça sera pas ça après. Ok, donc on a un popcorn, on a un Groot par-dessus. Groot, on avait dit que c'était un arbre de sakura, donc avec des fleurs roses pour Groot. On le fera en plus réaliste après. Ok, comme ça. Ensuite, on voit pas la couleur. Eau égale bave du temps. Ça va être dégueulasse à dessiner. La grotte peut être la bouche du titan. Ah! Toi, t'as un génie, toi. Du coup. C'est une excellente idée parce que du coup, il y avait quelqu'un qui avait proposé que le. En fait, non, parce que. Si c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Parce qu'en fait, la personne a dit. Parce qu'en fait, mon idée, je voulais respecter l'idée de tout le monde. Donc, la personne qui avait proposé la grotte, je voulais respecter son idée. Et donc, je voulais lui faire une grotte. Mais en fait, ça peut être et à la fois une grotte et à la fois la bouche d'un titan. Et donc, pour ça. Ici, on va imaginer que du coup, ça c'est l'œsophage du titan. Avec ici, je sais jamais comment. C'est les amygdales. Ouais, je crois que c'est les amygdales, ça s'appelle. C'est en rouge un peu. Hein. Et donc, ce serait la bouche. Et du coup, on aurait ici les dents. Ici et ici. Et du coup, il y aurait les dents de l'autre côté. Ok. Et du coup, en bas, en fait, ça serait la langue. Et donc, il faudrait que la langue, elle soit genre un peu cette couleur. Hein. Mais du coup, Gollum qui pêche un poisson. Donc c'est possible qu'on fasse un truc comme ça. Et du coup, en fait, la bouche, elle serait en rouge carrément, genre. La grotte est en hauteur, à la hauteur du titan, et il regarde dedans. Au fond de la grotte, il peut y avoir les dents du titan entrouvertes et on verrait le ciel. Ah, ça veut dire que vous voudriez que on soit pas dans ce sens-là, on soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que en gros, genre les dents
il soit derrière, genre que genre attendez, on va prendre ça. Parce que moi là j'ai dessiné ici l'œsophage, et que donc les dents genre ils seraient vers nous, mais vous ce que vous dites c'est qu'il faut que ce soit à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut que les dents ils soient là-bas. Genre on imagine que les dents ça fait ça. Genre hop hop. C'est possible, hein. Alors, en gros, ça serait ça, genre un truc comme ça. Hop. Et donc, pareil pour ici, genre un truc comme ça. Ouais, c'est possible. On peut voir ce que ça donne. Comme je dis, de toute façon, là, c'est des tests de compo. Une fois qu'on aura la compo, le reste, ça sera plus vite. Et donc là, on aurait les dents. C'est-à-dire que. Hop. Bah, du coup, ici, il y aurait la langue. En fait, ça serait la langue, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il pêche un poisson dans une laque de bave du titan. Tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît? Dédicace à StarTag. Pourquoi tu live aussi tard? Je dois bientôt aller dodo. Je troll Sam. Tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît? Je t'ai déjà fait une dédicace. Après, je t'avoue que ça va pas faire grand-chose, une dédicace de ma part dans ce live chelou. Donc, mais franchement, c'est pas si mauvais, hein. On a un truc. Ça n'aura aucun sens à la fin et je vous promets que ce dessin il sera terminé avec toutes les idées qu'on a données. D'ailleurs, je laisserai la rediffusion pour que l'autre gens voient et que tout le monde soit en témoin. Est-ce que avoir l'ouverture de la bouche moins grande et plus sur le fond pour garder l'esprit de profondeur de la grotte, ça passe? Je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut imaginer, par exemple, que c'est la bouche du titan marteau. Non, pas du titan, de titan charrette. Il a une mâchoire qui est assez, genre, longue. Et donc, on va donner cette profondeur-là. Pour ça, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va venir effacer tout d'abord les dents que nous avions fait. Donc, on va imaginer c'est la bouche du titan charrette. Et donc, pareil, on va imaginer que déjà la langue, en fait, elle va genre hyper loin. Genre, jusqu'à là-bas. Et que du coup, on est un truc comme ça. D'ailleurs, on pourrait peut-être même mettre le point genre ici et faire plutôt genre ouais, on va mettre encore le point encore plus loin. Hop. Et du coup, ici, il y aurait les dents, genre comme ça.
voyez un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est ça que vous vouliez? En vrai, c'est stylé. Go rendre ça à propre. Bah ouais, de toute façon, on va rendre ça à propre. Hein. C'est le but. Le live, je vais le garder de toute façon comme ça. On pourra savoir. Je pourrais revenir pour avoir toutes les idées que vous avez données. Mais là, comme ça, je sais qu'il y a déjà, on sait qu'il y a une main de Luffy qui va venir de quelque part. D'ailleurs, Luffy, on pourrait même l'imaginer que sa main, elle vient de là-bas. Genre, genre que sa main, en fait, elle est. Que Luffy, en fait, s'est fait mordre par le titan. Et en fait, sa main, elle fait ça, genre tac, et elle vient prendre jusqu'à ici la tête de Groot. Donc, et on peut imaginer la main de Luffy comme ça, qui viendrait de l'extérieur. Mais en fait, je sais pas si avec la lumière, vous voyez bien ou pas. Là, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Si je mets l'iPad ici comme ça, vous voyez mieux la qualité? Ou si j'éteins la lumière, attendez. Hop. Attendez, si j'enlève la luminosité de l'écran, parce que je crois qu'il y a trop de luminosité. Là, j'ai baissé la luminosité de l'écran de l'iPad. Ah là, comme ça, j'ai l'impression que vous voyez mieux comme ça là. Après, j'ai une autre solution qui pourrait me permettre de voir encore mieux, mais il faudrait que je coupe le live. En gros, c'est que genre, je peux vous streamer directement l'écran de l'iPad. Et donc, en gros, vous aurez ce que moi je vois. Parce que là, ce que vous le voyez à travers ma webcam. Et donc vous voyez la qualité de leur webcam. Alors que ce que je pourrais faire, c'est vous streamer mon iPad et du coup vous verrez directement la qualité de l'iPad sur l'écran. Et je pourrais utiliser leur webcam pour mettre une vidéo de ma tête si vous voulez voir ma tête. Enfin, je sais pas. Tu es nul. Qui est nul? Moi? Redis ce que c'est pour ce qui n'était pas là avant, s'il te plaît, sinon continue. Alors, c'est un dessin qui. Regardez, je vais te montrer. En gros, ce sont les gens qui m'ont demandé de faire un dessin avec leurs idées. Du coup, ils ont proposé qu'il y ait Baby Groot dans un pot de pop-corn qui possède des équipements tridimensionnels dont les épées sont des brochettes de mozza, tomate, huile, origan. Avec un Goku Super Saiyan 1 qui nous fait un Kamehameha pour détruire le pot de popcorn dans lequel il y a un Among Us qui en sort. Iron Man veut aller choper des popcorn. Luffy veut attraper Baby Groot pensant que c'est de la viande. Nous avons un poster de Pulp Fiction. Un feu de camp que j'ai rajouté, mais je pense qu'on va l'enlever parce que ça c'était mon idée, c'était pas le vôtre. Il faut qu'il y ait que de votre, c'est à vous. Mister Satan qui fait un coucou derrière le popcorn. Gollum déguisé en Superman qui partage un poisson avec Baby Groot. Il y a Batman qui, en secret, met sous le nez de Gollum Superman une de la kryptonite. Et il y a, pour finir, un titan qui veut manger tout le monde. Et c'est pour ça que bah, on s'est dit que ce serait intéressant peut-être de mettre
tout ça, la scène dans la bouche du titan, qui fera office de grotte. Et l'autre idée qui était que le titan voulait manger les gens, on pourrait également bah, du coup mettre sur les dents la photo de Pulp Fiction, etc. Donc je pense que cette compo est pas mal avec cet angle de vue, parce qu'on voit la profondeur, on voit la scène, on va pouvoir mettre par exemple Mister Satan de derrière, on a la main de Luffy ici, on pourra mettre Batman qui descend comme ça de là-dedans pour gêner notre ami Gollum. On pourrait mettre Goku, on pourrait le mettre par exemple, on pourrait le dessiner genre là, avec le Kamehameha qui vient comme ça, pour que ici on mette un Iron Man, ou on peut mettre Iron Man qui vient comme ça, enfin on va trouver. Je peux être Modo pour ban. Ah, oula, j'avais pas vu, pardon, 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 pardon. J'ai pas vu notre ami Jérôme qui va se faire ban, malheureusement. Alors, bloquer temporairement l'utilisateur. Ouais. Désolé les amis, j'avais pas vu. Il fallait bien un perturbateur. Je ne l'avais pas vu. Désolé. En fait, avant, quand je faisais des lives, souvent, il y avait souvent des perturbateurs. Du coup, je prêtais attention à ça et je les bannissais très rapidement. Là, ça fait un bail que je faisais des lives chill où il n'y avait plus ce genre de perturbateurs, donc je faisais même plus attention en me disant que ça va, on était entre nous. Mais là, du coup, je vais à nouveau être attentif et ça ne se reproduira plus. Moi aussi, je veux le ban. Je veux tous vous ban. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Donc ça, c'est ouais, c'est ce qu'on va faire, les amis. Demain c'est dimanche. Bon, sinon tu peux stream ton écran et mettre ta face. Ouais, bah je pense que je vais faire ça demain matin. En fait, vu que demain c'est dimanche, je me dis, venez, on essaie de finir ce dessin demain. C'est-à-dire que demain je commence à stream et on finit. Là on a fait les idées plus la compo. Et demain on pourra faire la réalisation. C'est-à-dire qu'on va rendre au propre Gollum, Goku, Batman, Iron Man, Satan et Groot. Et on aura fini. Dimanche, c'est dans 3 minutes. Bien vu, bien vu. Oh, mais là, il commence à se faire tard. Je pense que même vous voulez aller dormir. Donc, comme ça, je vous laisse tranquille. Demain, je ferai un live beaucoup plus tôt. Comme ça, vous serez tous là. Et ça sera plus marrant. Et puis, il y aura peut-être plus de gens. Et ça va être fun de finir ce dessin qui n'aura aucun sens. Mais. Qu'on finira pour le plaisir. Ok, je vais essayer de stream plutôt, ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Hein. Merci aux 50 personnes qui ont liké, c'est top. Là, je pense que je vais faire un TikTok pour poster un TikTok parce que c'est cool de poster des TikTok. Merci à tous d'avoir été bah, présents pour ce live, d'avoir donné vos avis pour faire ce dessin qu'on finira donc demain en live. Revenez demain si vous voulez voir comment on va terminer tout ça. Merci à tous. Je laisse le replay pour ceux qui veulent. Donc voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.